Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour réaliser ce petit carnet mandala avec des feuilles de transfert. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Tout le matériel que j'ai utilisé vient de la petite épicerie sauf le carnet. Le lien de leur boutique est en barre d'infos. Donc tout d'abord vous avez besoin d'un carnet et avec un crayon on va en fait faire un motif mandala. Vous pouvez regarder des exemples sur internet si vous avez un difficile à l'inventer comme ça. Et donc voilà, moi je vais tout simplement faire un mandala avec un peu un style floral. Donc voici ce que ça donne et ensuite avec le stylo colle de la petite épicerie, on va tout simplement venir en appliquer sur toutes les traces au crayon qu'on a fait juste avant. Moi j'ai mis une feuille de papier en dessous pour éviter d'en mettre un peu partout. Mais donc voilà, vous passez en fait tout simplement sur tous les traits. Et lorsqu'on a bien mis de la colle sur tout le mandala, on va prendre en fait les feuilles de papier transfert. Donc moi je vais utiliser la couleur or pour ce mandala et on vient le placer la face dorée sur le dessus et à l'aide d'un chiffon doux, on va bien appuyer partout, faites-le vraiment bien doucement et faites-le vraiment bien fort pour que ça adhère vraiment bien à la colle. Et tout délicatement, on vient enlever la feuille de papier transfert et là le résultat, c'est magique. Et donc voici ce que ça donne, je trouve qu'on dirait limite un peu que je l'ai acheté en magasin, ça fait un effet vraiment chouette et on peut faire ça avec plein de choses, mais ayez bien des surfaces lisses et qui n'absorbent pas le papier, qui n'absorbent pas la colle, sinon ça ne marchera pas. Donc moi j'ai aussi fait des enveloppes, je trouvais ça assez chouette pour envoyer une petite carte. Et donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que le lien de la petite épicerie est en barre d'infos pour aller voir le matériel. N'oubliez pas aussi d'aller voir mes précédentes vidéos ainsi que mon Instagram. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !